Thank you.
je crois qu'on va assister à la victoire de M. Sigouin. On avait une remontée de spectateurs. C'est confirmé. Première position, Richard Sigouin. Deuxième, Rémi Dumont. En préparation pour aller piner, M. Patrick Jeunesse et Rémi Dumont. Catégorie 401 et 425 chargés. Ce n'est pas un faux départ. Catégorie 401 à 425 chargés. Rémi Dumont et Michel Gauthier. Rémi Dumont et Michel Gauthier. S'il vous plaît. Victor Piché, Normand Lapointe, vous vous préparez pour aller piner. Et c'est un départ entre M. Normand Lapointe et Victor Piché. Catégorie 401 à 425 chargée. Deuxième compétiteur, c'est le Tonnerre Steve. Le Tonnerre Steve dans la région, c'est Victor Piché qui remporte cette victoire. Thank you.
Très confortable.
Deuxième manche entre Rod Grabowski et Roger Jeunesse. La première qui a été remportée par... On n'a pas oublié aussi les groupes de 100$ pour 25 billets. Première manche, catégorie 0350 bobtail entre Bob Robinson et Rob Grabowski. Rob Grabowski 320 Cummins et Bob Robinson 350 GM. Très belle course, mesdames et messieurs, je vous promets, très beau spectacle, ça vaut à peine d'être vu. Le Cummins contre le GM, faites vos gageurs, c'est un départ. Décisive entre Rob Grabowski et Bob Robinson. Moteur 2903 Cummins contre 350 GM.
Je m'attends après toi encore. Tu vas te faire éliminer. Tantôt, le 21-22 août, on n'a pas manqué ici même à Saint-Félix, le club commando 4x4 qui fait sa compétition locale.